C'est un engouement particulier qui a vécu dans ces cimetières des Camaringuets, bondés de plusieurs familles de Kipouchiers d'ailleurs. Munis des matériels aratoires, notamment les houes, les bêches, le machette et bien d'autres, ces familles sont venues rendre salubres les tombes de leurs proches. Je suis venu aujourd'hui manifester l'amour, parce que même s'il y a la mort ne fait pas de rattacher à l'amour, on avait à faire voilà un peu l'importance ou la présence des moines ici au cimetière des Camaringuets. Il y a Kabouri, il y a Papa Wangu. Depuis 2021, à chaque fois qu'on nettoie, on tient une place à maman Elisabeth. À pas concession, y a un autre quoi, pas une concession, y a un autre non, y a un propre concession. Par devoir de mémoire et tenant au respect de la culture, les morts doivent être honorés. Chose décevante, certaines familles n'ont pas su retrouver les tombes de leurs êtres chers, d'où la consternation et la tristesse étaient perceptibles à leurs yeux. Pour le croyant, des rituels étaient au rendez-vous, des prières pour le repos des âmes des illustres personnes qui nous ont précédés dans l'au-delà. Parce que si vous êtes tout à coup, il y a qu'à cette bombe. Un jour, on a eu un peu de temps, un jour, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. Comment faire pour que cela soit toujours propre, comme nous voyons dans d'autres nations, dans d'autres pays, nous devons toujours respecter très propre. À l'occasion de cette commémoration de la journée dédiée aux morts, des peintures ont été refaites sur certains mausolées et croix, et des pierres tombales ont été également posées. Les travaux de rendre salubres les tombes des proches vont se poursuivre tout au long de ces mois d'août.